Nous emmènerons sur les traces des hommes qui ont fondé puis transformé Brouage au fil des siècles. Que va-t-il se passer à Brouage? Eh bien, Monsieur de Vauban est en inspection. Et l'inspection du maréchal de France, eh bien, c'est un morceau de bravoure, d'autant qu'ici, il y a une population pour le moins bigarrée, un bourgmestre qui, ma foi, n'est pas forcément clair dans son histoire, et l'inspection va se dérouler déambulatoire dans tout Brouage. Il y aura aussi quelques exercices à faire et le public risque d'être piégé par certaines choses. Mais là, on ne peut pas en parler encore, c'est ce qui va venir dans les images qui vont suivre. Attention, gare. Monsieur de Vauban est un homme sérieux, un homme pressé, et vous l'allez comprendre. Maintenant. Quoi ? Monseigneur ! Encore en train de faire quelques pirouettes. Baisse-toi quelque peu. Je suis fort honoré de vous voir ici. Ah, mon cher bourgmestre. Avez-vous fait bon voyage ? Ah, bon voyage ! Avec mon mousquetaire. Considérez-la, je vous prie. Les graffitis que ces malandrins ont fait. Nous y voyons là. Les vaisseaux ou le bord. Je n'ai aucune plante qui soigne les peines de cœur. Ah, madame, vous eussiez de ces plantes-là, vous deviendriez extrêmement riche, madame. Nous ne pouvons point avancer comme ceci. On dirait là un troupeau de moutons bêlants qui avance. Partirons de la jambe droite avec une belle ouverture comme cela. La cheville doit être souple, le mollet ferme et gracieux, et l'enjambé, madame, envolé comme cela, déployé et naturel. Là, madame. 4, jetez la jambe, déployez. Madame, vous marchez divinement. Nous irons donc ainsi dans la vie continue. Et si vous voulez que les comptes soient faits, et les routes entretenues, et le ciel, il faut bien que les gens y travaillent, monseigneur. Pour le comprendre, mais... Et la récolte? Je vois qu'à l'arrière, on est mou du mollet. Dépêchons derrière, rappelez-vous que dans quelques siècles, c'est la Yargarde qui va morfler en Russie. À un moment, j'ai des flashs. Je pense que certains en profitent pour lutiner quelques gourgandines. Tout comme vous ce soir, monsieur le marquis, lors du festin que vous nous avez commandé. Ah bon? J'entends bien, j'entends bien. Je ne savais pas cela, et mais... Il va nous coûter fort cher. Mais les comptes seront bien tenus. Justement, parlons-en. Alors, vous me voyez dans un grand embarras. Monsieur l'administrateur du bâtiment, le sieur Dupin, a été homicidé. Ventre Saint-Gris, comment se peut-ce? Eh bien écoutez, ma foi... Je pense que le sieur Dupin n'était, ma foi, pas si honnête homme qu'il en fut. Pour des tonneaux, on est pas mal. Qu'est-ce que je disais? Je vois que monsieur a de l'esprit de vin. Monsieur a de l'esprit de vin. Oui, mais merci bien, monseigneur. Je vois qu'il a de la bouteille. Comment on va sortir de ce truc-là? Allons-y. Et bien sûr. Et pour qui vous battez-vous donc? Pour monsieur de Vauban, bien sûr. De Vauban? Mais non, mais monseigneur de Vauban, vous ne savez pas? Il préfère les culs couillus aux culs pendus. Ce sera à l'eau salée, alors. Épices que nous avons nantis de maintes aérations, afin que nos poudres s'aérassent, ne se corrompissent point et restassent en état de fonctionner.
chambre droite avec une ouverture de 22 degrés, comme cela. Mettre la main à votre couvre-chef, ou du moins ce qu'il en reste, et votre main pour une belle arabesque doit gagner votre cœur sans quitter ses dames du regard. Merci, madame. Je vois que le bourgmestre n'est pas rapide et que le Magellan. Ah, oh là là là, bravo. Elle est bien aussi, celle-là. On va qu'on s'en rappelle l'année prochaine, hein? Ça fait deux déjà comme ça. Alors, bourgmestre. Oui, monseigneur. Je réfléchissais tout à trac tout à l'heure et ça me va bien. Je me disais que, eu égard à ton âge avancé, tu as dû connaître, bourgmestre, le siège de La Rochelle. Si fait, monseigneur, mais je ne sais pas comment je dois prendre le début de votre phrase. Nous ne danserons point pour Versailles, mais pour l'Élysée et pour Matignon. Donc tous ensemble avec moi, vous allez avancer votre jambe droite. Nous allons danser pour Emmanuel et pour Édouard. Notre main droite est posée sur le genou droit. Avec délicatesse et avec grâce, premier mouvement, inflation. Nous allons chercher les prix vers le haut, ne s'économise pas dans les mouvements. Deuxième mouvement, récession. On courbe les chines, on regarde ses pieds, parce que la récession, c'est pour nos pieds. Ensuite, on se relève doucement, comme l'économie française. Vous pouvez vous relever un peu plus vite, car l'économie française n'est pas relevée demain matin. Attention, le geste suivant est rotatif et politique. Notre main droite est tendue vers l'avant. Nous allons bientôt pivoter sur la droite. Avec moi, extorsion, pique de l'argent à droite. On vole de l'argent à gauche. On pique à droite. On vole à gauche. Madame l'a très bien fait dans la besace de la voisine. Attention, le geste suivant est plus ample. Régression sociale. Il faut que ça craque. Ces messieurs en profiteront pour vérifier l'état des bourses. Le geste suivant est sec. Redressement fiscal, on s'arrête.